Bonsoir, mes frères et sœurs en Christ. Je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens aujourd'hui vous faire part de mon témoignage après une longue séance de délivrance. J'ai connu Congo Kappa le biais de ma tante vivant aux États-Unis. Ça fait déjà presque un an qu'elle m'envoie les audios. Et à vrai dire, au début, j'écoutais par moments. Je n'écoutais pas tout le temps. Parfois j'écoutais pas. Ou bien je me concentrais juste sur les prières de samedi. J'écoutais pas les témoignages. Puis un jour, elle m'a envoyé un audio. L'audio là m'a vraiment touchée. Ça m'a fait voir que je devais changer. Et vu que beaucoup de personnes et ma famille étaient déjà tellement tristes de ma situation, quelque chose m'est arrivé. Ce jour-là, je n'avais pas suivi Kangoka. C'était un dimanche et je n'étais non plus allée à la messe. Ce jour-là, vers les environs de 2 heures, j'ai commencé à sentir un mal qui me prenait sur. J'avais extrêmement mal, comme si on m'arrachait les côtes, et aussi au niveau de la poitrine, comme si quelque chose compressait mon cœur. Mon rythme cardiaque ralentissait même déjà, et j'arrivais plus, comme j'étais couchée, je n'arrivais plus à bouger. Mon bras était paralysé, mon bras gauche et mon pied droit était paralysé. J'étais couchée là, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais plus de connexion ou quoi pour écouter Kangoka. J'ai quand même fait les efforts. J'ai réussi à me balancer. Je suis tombée au sol. Je suis allée jusqu'à la chambre de ma mère. En rampant, je l'ai appelée. Elle est venue donc. Elle m'a raccompagnée jusqu'à ma chambre. On a commencé les prières. On a mis un audio de Kangoka. Au moment de la prière, il a commencé à prier. Puis moi aussi, j'étais là. Je mettais la main. J'ai mis la main sur le cœur. Comme j'avais beaucoup de mots, je savais pas trop où mettre la main. J'ai mis la main sur le cœur. On a commencé à prier, suivre la prière. Moi aussi, je priais dans mon cœur. Seigneur, délivre-moi et tout ça. Puis j'ai commencé à vomir. Tellement, ça, je vomissais. Ça faisait tellement mal. J'ai vomi. On a remis la prière, même 5 fois. Je ne faisais que vomir. Au moment de la 5e prière, mon bras, je commençais déjà à ressentir mon bras et ma jambe. Puis à la 6e prière, les vomissements se sont arrêtés. J'ai pu commencer à bouger. J'ai seulement rendu grâce à Dieu parce que vraiment, ce jour-là, c'est que peut-être je ne suis plus là en ce moment. C'est que vraiment, je ne sais pas où je suis en ce moment-ci. Et je dis vraiment merci au Seigneur. Bon, ça, c'est mon premier témoignage. Mon deuxième témoignage est que j'étais prise par une colère vraiment froide envers mes parents. Surtout envers mon père. Et je ne savais même pas trop pourquoi. Mais j'avais tellement de haine envers mon père et envers ma mère. Je détestais tout le monde. Je ne voulais voir personne. Je ne parlais à personne. Je criais sur tout le monde. Je faisais des trucs que moi-même je ne m'en rendais pas compte. Parfois j'avais des envies vraiment meurtrières. Je ne comprenais même pas d'où ça sortait. Et heureusement, par la grâce de Dieu, grâce aux prières de Kangoka, j'ai pu être délivrée de cela. Vraiment, je rends grâce à Dieu. J'ai pu être délivrée de cela. Et mon père aussi, lui-même, en suivant les audios, lui aussi a pu être délivré parce que on était du genre, on se voit, chacun passe à autre comme si on ne se connaissait pas. Donc, c'était vraiment terrible entre nous. Personne ne parlait à l'autre, rien. Mais grâce à la délivrance que tous les deux on a reçue, tout ça a changé. Maintenant, on se parle, il n'y a plus de guerre, on s'entend déjà et vraiment, tu sens l'atmosphère est paisible à la maison et c'est vraiment très agréable. Je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Sans lui, vraiment, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Il m'a redonné ma santé, il m'a redonné ma famille et tout ça. Vraiment, je ne peux que rendre grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, je vous en prie, mettez aussi le cœur, votre cœur, votre confiance en Dieu. C'est lui seul qui peut nous aider dans tous nos problèmes que nous pouvons avoir ici. Dieu agit vraiment en passant par ses prières, en passant par Kangoka. Dieu agit vraiment. Ne doutez pas de la puissance du Seigneur. Parce qu'un jour, lui aussi, il agira dans votre vie. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom, shalom. Je suis une jeune gabonaise. Je veux faire un témoignage concernant ma petite fille âgée de 3 ans aujourd'hui. Cette histoire-là, partie commence à faire 10 mois à 11 mois aujourd'hui. Je suis allée habiter quelque part, c'est comme ça. Un matin, ma fille a commencé la grippe. Elle a eu une fièvre, je suis allée à la pharmacie. J'ai tout payé, je vous assure, mes frères et sœurs. J'ai tout payé. Elle ne dormait pas la nuit. Une fois qu'il faisait 24 heures, ma fille ne dormait pas. Une fois que je mets les louanges, ma fille se met à m'insulter. Maman, arrête les louanges. Ça m'a tiqué, mais je n'avais pas d'abord la tête ailleurs. Je suis allée jusque dans les hôpitaux. On a fait des examens. On a eu à faire un bilan pour voir si elle avait quelque chose dans le sang. Mais les médecins ne trouvaient toujours rien. Je suis allée dans une clinique, j'ai payé la consultation et tout. C'est comme ça, le docteur Blanc me dit, « Ah, madame, ne vous fâchez pas, votre fille souffre du COVID-19, c'est-à-dire elle est en quarantaine. » J'ai fait comprendre au docteur que non, un enfant de 2 ans et demi ne peut pas piquer une crise du corona. Et d'abord, je n'ai pas de moyens pour dire que je vais interner ma fille. Mon ONU est sans effet, ma fille ne peut pas être atteinte coronavirus. Je suis sortie. Je vous assure que frère, j'ai fait une semaine et demie. J'étais perturbée. Je suis allée même chez les praticiennes, chez les Nganga. La dame Nganga m'a fait comprendre que ma fille a été violée et tout par mon petit-fils. C'est-à-dire l'enfant, le petit-fils à ma grande sœur, même père, même mère. J'étais perturbée. Je disais, Seigneur, tu ne peux pas permettre l'injustice venant de moi. Ma baïresse et son fils. On était amis tous les jours. Oh. C'est comme ça, le fils de ma baïresse me fait comprendre que, ah non, non, il y a un temple de Bouti à côté. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Amène l'enfant là-bas en consultation. Je l'ai dit. J'ai fréquenté des marabouts. Je me suis initiée. Je n'ai rien vu là-bas. Je ne peux pas amener ma fille dans un temple de Bouti. Je refuse son nom de Jésus. Je suis allée dans une église, une prophétesse un dimanche. Elle a prié. On m'a donné l'udention, le sel béni, rien. Ça s'empirait toujours. C'est comme ça, un lundi, vers les 18h-19h, j'étais assis avec ma voisine en tant que femme en train de raconter. Ma voisine me dit, ah, c'est comme mon anou. Je te vois, tu réfléchis beaucoup, tu as quel problème? Je lui ai dit, ah, le problème de ma fille, je suis perturbée, je ne dors pas. Elle m'a dit, l'enfant, quoi? Je lui ai dit, ah, quand je vois ma fille, elle pique les crises de vampire. Elle m'a fait comprendre que, est-ce que tu as Tangoka? Je lui ai dit, ah, j'ai entendu parler de l'émission, mais je n'ai pas Tangoka. Elle m'a dit, ah, essaie de montrer le téléphone. Je vais essayer de te télécharger Tangoka. C'est comme ça, quand elle prend mon téléphone, comme je ne connais pas comment ces choses se passent, elle a pris mon téléphone. Elle m'a dit, oh, mais tu as Tangoka, mais ce n'est pas installé. Elle m'a installé Tangoka. Je vous assure, mes frères et sœurs, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, hein, ce témoignage, enfin, je devais le faire depuis, mais je ne savais pas comment ça se passait. Ma petite fille, 2 ans et demi, n'avait pas encore pris 3 ans. C'est comme ça, la même nuit, elle m'a dit non. Aujourd'hui, Nanou, écoute Tangoka, parce que moi, je prie avec Tangoka. Il est fort. Si tu as la foi, il va faire un miracle sur ta vie. Sur la vie de ta fille. Je lui ai dit, ah, j'ai foi. Certes, je ne parle pas à l'église tous les jours, mais je crois à un Dieu vivant. Parce que Dieu seul sait que je suis orpheline. Il a dit dans sa parole, malheur à toute personne qui touchera la veuve et l'orphelin. Aujourd'hui, là, Dieu va faire quelque chose dans la vie de ma fille. Mais avant ça, j'avais déjà fait une semaine et demie, pas de sommeil. Ma fille avait fait une semaine et demie, elle ne mangeait pas. Même boire l'eau. Lorsqu'elle marche, le jour ou de nuit, le noir monte, le blanc descend. Elle marchait comme quelqu'un qui volait sur les ailes. Toute la journée, c'est maman, porte-moi. La nuit, maman, porte-moi. Maman, mets-moi au dos. Maman, allonge. Je dis, ah, on allonge, je t'amène où? Est-ce que lorsque j'ai l'habitude de sortir dans la nuit, je t'amène? Divine, arrête. Un moment donné, je vous assure, j'étais prêt à tuer ma fille, en fait. Parce que c'était lorsqu'elle pleure dans la nuit, c'est-à-dire les voisins étaient dépassés. C'est comment? On ne peut plus dormir. Donc, sans vous mentir, frères et sœurs, j'étais arrivé au degré lorsque ma fille pleure. Je l'ai tout fait pour qu'elle ne puisse pas pleurer, pour que les gens ne puissent pas entendre comment elle pleure. Parce que j'étais dépassée, je ne savais plus quoi faire. Mes prières ne servaient à rien. Je vous assure que lorsque ma fille pleurait, j'étais arrivé au degré que je prenais les têtes d'oreiller juste pour l'étouffer, pour qu'elle arrête de pleurer, juste parce que le diable voulait que je puisse tuer ma fille et que je puisse faire la prison. Mais je remercie Dieu, m'a aidé par une sœur, une voisine du quartier. C'est comme ça, cette nuit, elle m'a dit, Nanou, alors que ta fille pique la crise,
tu télécharges ton Goka. Ce jour-là, je n'avais pas de crédit. Elle m'a dit, ce qu'on va faire, c'est que je vais te prêter le forfait Internet 2000. Là, tu peux bien faire la prière avec l'enfant. Vers les 20h, 22h, j'ai d'abord pris l'huile d'onction que la prophétesse m'avait donnée avec l'huile d'onction. J'ai mis ça dans, j'ai aspergé dans toute la chambre, sous le lit, dans la chambre, de tous les coins du lit. Ma fille, elle ne dormait plus avec les yeux bien baissés. Les yeux étaient toujours à moitié ouverts. J'ai pris l'huile d'onction. Je l'ai frotté partout, partout. J'étais connecté avec certaines personnes. Je communiquais une fois que je voyais qu'il est 24 heures pile. J'ai bloqué. J'ai dit, Seigneur, j'ai parlé dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui là, tu vas me montrer si je prie un Dieu vivant. Parce que je suis fatigué. Quel médicament que je n'ai pas payé à mon niveau. Toute la petite économie que j'avais, plus de 30 000, était terminée. Juste que je n'arrivais même pas à payer le loyer le même jour que j'étais censé payer le loyer. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Ah, Seigneur, aide-moi. Mon Seigneur, aujourd'hui là, tu vas accomplir un miracle dans la vie de ma fille. Parce que, Seigneur, si tu n'accomplis pas le miracle dans la vie de ma propre fille qui est innocente, je l'ai d'abord couchée dans des difficultés. Et lorsque je l'ai accouchée, Seigneur, j'étais devenue en Christ. Et à l'église, on l'avait surnommée la reine Esther, vu mon histoire dans la Bible, parce que j'ai souffert avec la grossesse de ma fille. Mon Seigneur, aujourd'hui, lorsque cet esprit était rentré chez moi, ce jour quand il a eu accès chez moi, sûrement j'étais dans les bois de nuit, j'étais dans les coins des débauches, j'étais en train de boire dans les bois de nuit, dans les bars avec des cigarettes. Mon Dieu, mais aujourd'hui là, lorsque tu vas sortir, je dois être là. Je vous assure que... Frère, sœur, ce jour-là, j'ai entendu parler qu'il existait un Dieu, mais ce jour-là, l'eau a fait un miracle dans la vie de ma fille. En ce moment-là, on ne m'a pas demandé ni argent, rien. On ne m'avait rien demandé. C'est-à-dire, le Dieu a travaillé à travers cet homme que je ne connais pas, qui a fait le miracle dans la vie de ma fille. Je vous assure que là où je parle là, là où je fais le témoignage de ma petite fille divine, j'ai la chair de poule, j'ai les pieds qui tremblent. Je vous assure que ce soir-là, j'ai vu le miracle de mes yeux, j'ai entendu, mais ce jour-là, j'ai vu. J'ai commencé. Je ne connaissais pas comment ça se passe. C'était d'abord les témoignages. Lorsque le temps de la prière a commencé, je vous assure, l'Éternel est grand. Et il est merveilleux, cet homme-là. Cet homme qu'on appelle Jésus. Ma fille était allongée sur le lit. Moi, j'étais assise à main le sol sous le matelas auquel les enfants dormaient. Mais ce jour-là, je l'ai posé sur le lit. Moi, j'étais assise sur le matelas au sol. J'ai pris la main gauche, j'ai posé sur elle. Le bras droit, je l'ai posé sur ma poitrine. Quand Christ commençait à prier, je vous assure que non, j'ai eu le miracle. Quand il priait, c'est-à-dire que ce jour-là, il n'a pas prononcé le problème de ma fille. Mais je disais seulement, Seigneur, je prie. Seigneur, je reçois que tout mauvais esprit qui a mis ma fille, sort de la vie de ma fille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous assure que mes frères et sœurs, je priais. Lorsque je priais aussi. Je disais, Seigneur, je reçois la guérison totale de ma fille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous assure que mes frères et sœurs, l'habit que ma fille avait ce jour-là, j'ai pris cet habit-là, j'ai commencé à vomir. C'est-à-dire, je vomissais la bave de ma bouche. Regarde comment la main qui était posée en elle chauffait. Je sentais la chaleur. À un moment donné, je me suis demandé que c'est comment je suis en train de vomir la bave. Non, c'est là où je me suis rappelé. J'ai dit, Seigneur, je reçois la guérison totale de ma fille. Je vous assure que j'ai commencé à vomir. Ce n'était que la bave, les crachats. La bave, les crachats. Je vomissais. Le lendemain, je n'avais plus jamais eu ce sommeil paisible. Moi et mon petit frère, ma fille divine. Ce jour-là, on a dormi jusqu'à 8 heures. Mon petit frère me réveille doucement que attentine à nous. Divine d'or, j'ai dit, oh pardon, ne parle pas fort de peur qu'elle peut commencer à crier. Je vous assure que mes frères et sœurs, ce mardi-là, c'était le plus beau jour de ma vie en ce temps-là. Ma fille a dormi jusqu'à 8 heures. Quand elle s'est réveillée elle-même, maman, ça va, j'ai dit oui. J'ai dit, Seigneur, que ma fille a reçu la guérison totale du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous assure que frères et sœurs, elle a commencé ce mardi. Le mardi qui suivait après la prière de lundi. Ma fille a commencé mardi, elle a commencé à jouer. Elle avait repris ses activités d'enfant. Elle a commencé à jouer. Maman, je vais manger. Maman, je vais me laver. Je vous assure que ma fille avait retrouvé la guérison totale. C'est pour cela que je dis, Dieu fait des miracles à travers cet homme-là. Que Dieu donne toujours longue vie à cet homme-là. Enfin.
Bonjour, bonjour, Père de Dieu. Moi, je suis une jeune Burkinabée résidant au Burkina. En effet, j'ai connu Konko Kappa le biais de ma tante en J2021. Et, mais je n'avais pas prêté attention, je n'écoutais pas ça, je ne m'étais pas donné à fond dans la prière. C'est en J2022, j'ai commencé à écouter Kangoka. Chaque jour, j'ai commencé à écouter Kangoka, j'ai écouté, ça m'a plu. Avant de sortir, j'écoute Kangoka, je prie. J'écoute Kangoka, je prie. J'avais des maux de poitrine. J'étais malade, j'avais des maux de poitrine. J'ai pas pu aller au cours. J'ai fait une semaine. Et là, je commençais à prier. J'avais des ulcères. J'avais très mal à la poitrine. Ça me faisait trop mal. Et là même, je dis comment je prends les médicaments, ça se calme, ça recommence. Et là, j'ai commencé à prier. Je priais à chaque moment. Je priais à chaque moment. Le matin, je me lève. Quand je me lève, je prie. Parce que je ne vis pas dans la même ville que mes parents. Je vais dans une autre ville pour aussi. Je prie, je vous dis, il y a Dieu dans Kangoka. À chaque moment que je priais, je sentais ma douleur qui diminuait au fur et à mesure, au fur des jours. Ma douleur ne faisait que diminuer, elle diminuait seulement. Jusqu'à présent, je parle, je n'ai plus mal. Quand j'ai un peu mal, je dis, Seigneur, tu m'as guéri. Cette douleur que je ressens, c'est pas ma douleur. Tu m'as déjà guéri et c'est pas la douleur que je ressens, c'est pas une douleur, c'est pas ma maladie. Et là, j'avoue que non, je ne savais pas que j'avais un esprit en moi. Je ne savais pas que j'étais possédée. J'ai commencé à manifester. Une fois, je priais un matin. J'ai commencé à manifester, commencé à crier, commencé à tomber, manifester. Je me suis levée, j'étais tellement fatiguée. Et là, ma tante est sortie, qu'elle m'a entendu crier. Elle s'est rejointe à moi. Elle a commencé à prier pendant que moi, j'étais couchée, je manifestais. Et là, je ne faisais que remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Le lendemain encore, j'ai mis la prière. Le lendemain soir, j'ai écouté la prière. Et là, j'ai commencé à manifesté, j'ai tellement manifesté. Un esprit qui était là, qui ne faisait que taper ma tête quand on parle, parce que j'avais des migraines, j'avais des maux de tête qui m'empêchaient de bosser. J'ai dit non, j'ai commencé à enlever comme s'il y avait des trucs sur ma tête. Il y avait des trucs sur ma tête, j'ai commencé à enlever. Et là, j'ai commencé à taper mes mains, à commencer à secouer mes mains. Et là, je suis tombée. J'ai commencé à me secouer. Et secouer tellement. Oh, Jésus. Et là, je m'entends dire non. Je sors. Je pars. Après ça, quand j'ai fini, je ne faisais que remercier le Seigneur. Et je vomissais. Je vomissais, mais je ne voyais pas ce que je vomissais. Tout ce que j'entends, c'était. J'étais en train de vomir. Je savais que je vomissais. Mais rien ne sortait. Mais je savais que j'étais en train de vomir. Mais je ne voyais rien. C'est comme si c'était invisible. Quand j'ai fini, je ne fais que remercier le Seigneur. Quand la prière est finie, j'ai mis encore. Ma tante a mis, on a écouté encore, j'ai manifesté encore. La troisième fois, ça s'est calmé. Je ne faisais que remercier le Seigneur. Et là, je voulais vraiment remercier l'équipe Kanka, Christy Koumana, ainsi que son équipe, ainsi que les partenaires qui l'aident, qui le soutiennent dans cette mission. Que le Seigneur vous fortifie davantage, qu'il vous donne la force de continuer cette mission qu'il vous a confié. Vraiment que le nom du Seigneur soit glorifié à jamais. Il nous a donné la force de marcher sur le scorpion et sur le serpent, sur toute force de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans les siècles des siècles. Il est le même hier, le même aujourd'hui. Et que sa volonté soit faite. Merci. Merci Jésus. Merci à Christy Koumana, à son équipe. Merci Jésus. Mes mots sont tellement petits pour lui dire merci. La fois passée, je priais encore. Et là, j'ai senti un certain soulagement. Et là, quand je suis sortie, j'ai dit à ma tante, moi, j'ai reçu ma grâce. J'ai reçu ma bénédiction. Le Seigneur a fait. Ça reste juste aux yeux des hommes. Sinon, il l'a déjà fait. Merci encore. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour équipe, l'équipe Kangoka. Je viens ce matin témoigner pour le bienfait que le Seigneur a fait pour moi. Je suis une femme camerounaise, je vis au Cameroun. Un jour, je suis restée ici, mon frère est venu me donner Kangoka.
à 20h. Il m'a dit que ma, prends l'émission si tu suis aussi avant de voir. Parce que depuis 3 ans, je l'ai accouché. Je partais même à l'hôpital, on ne voyait même pas, en dehors de tension et diabète, on ne voyait même pas ce que je souffrais, mais je n'arrivais même pas à marcher. Dès qu'il m'a donné ça, j'ai donné, heureusement l'enfant était là, j'ai donné à l'enfant, l'enfant a téléchargé. Depuis le jour-là, j'ai pris Kangoka comme ma nourriture quotidienne. Je suis Kangoka. Matin, midi, soir. J'avais quelque chose qui me faisait mal à l'anus. Je suis allée à l'hôpital. On a fait tous les examens. On m'a dit qu'on n'a rien vu. Ça me faisait mal. Je n'arrivais pas à respirer. Je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Comme Dieu fait les choses, depuis le jour, le jour que mon frère est venu me donner Kangoka à 20h et que j'ai commencé à suivre Kangoka, 2-3 jours après, j'ai eu un frisson dans mon côté gauche. Et je baillais, ce n'était même pas un samedi. Je baillais. 2 jours plus tard, je reste comme ça, je ne sens plus le mal. 3 jours, depuis le jour-là jusqu'à nos jours, je ne sens plus le mal. J'avais aussi la constipation chronique, ça a déjà fait des années et des années. Je vous parle comme ça, je suis une maman de 69 ans. Je n'ai jamais fait le sel comme il se doit. Depuis plus d'un mois. Si j'ai fait plus d'un mois avant de témoigner, parce que je voulais voir vraiment si je peux faire le sel là comme n'importe qui. Et depuis, Dieu merci, depuis le jour là, je fais le sel comme il se doit, matin et soir. Mon corps est leste. Quand je me lève maintenant, je marche bien. Je viens comme ça remercier le Seigneur pour ce qu'il m'a fait. Le Seigneur m'a fait ce que je ne peux jamais oublier durant toute ma vie. Que je ne peux jamais oublier, Papa Jésus. Et que je ne l'ai jamais oublié. Dans ma maladie comme ça, j'étais toujours avec lui. J'étais toujours avec le Seigneur. Je prie le Seigneur qu'il me donne la force, qu'il puisse prier pour le monde entier. Pour les enfants de Dieu, qui donne la force à l'équipe Kangoka, qui donne la force à sa famille, à tous ces gens. Je sais que depuis le jour-là, j'envoie Kangoka à tous mes gens, toute ma famille, tous mes connaissances. J'envoie, je remercie Jésus, je remercie le Seigneur, je remercie mon frère qui est venu me donner Kangoka. Un soir à 20h, je ne peux jamais oublier. Je salue toute l'équipe Kangoka, tous mes frères et sœurs, que n'importe qui supporte Kangoka, même si ça ne travaille pas vite, il faut seulement supporter. Je sais qu'un jour, le Seigneur va te localiser. Merci Jésus, merci, merci, j'ai témoigné.